Bonjour tout le monde, c'est Ludo, votre expert jeu pour ludiworld.com. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo de déballage de boosters de figurines Heroclix Tortue Ninja. J'ai fait une précédente vidéo que vous pouvez trouver ici où j'ai ouvert une autre boîte. 24 boosters, je suis tombé sur beaucoup de doutes que j'avais déjà. Ça m'intéresse pas forcément moi à titre perso, mais vous allez pouvoir les retrouver sur le site en vente à l'unité. Ça peut vous permettre de compléter votre collection. Bah écoutez, moi je suis quand même très content parce que j'ai eu à titre perso le Mauser Swarm que je voulais. J'ai eu la sublime le roi King, donc vous connaissez puisque c'était dans la série qu'on a eu fin des années 90. Et j'ai eu surtout la grosse rareté de la boîte, Donatello en version Chase. Pour rappel, une figurine comme ça, ça vaut dans les 60$. Donc ça, c'est pareil, je vais la mettre en vente sur le site. Donc voilà, ça peut quand même être rentable d'acheter des tours comme ça, parce que vous pouvez avoir des très rares figurines. Pardon, si j'oublie des mots, ça va pas le faire. Donc c'est une série qui aujourd'hui est épuisée malheureusement. J'avais réussi à réobtenir 9 boîtes complètes. Et là, c'était les deux dernières que j'ouvre. Donc c'est a priori définitivement épuisé. Je sais pas s'il y aura de reprint, etc. On verra. Il y a une deuxième série qui est déjà prévue pour le mois de septembre-octobre, je crois. Donc peut-être que d'ici là, il fera un reprint. On verra. Bref, allez, c'est parti pour 24 nouveaux boosters. Donc il me manque quoi? Il me manque Baxter, il me manque Shredder et Aprilonil. Normalement, je n'en oublie pas. Est-ce qu'il y a le... Non, bon, bref, on verra. Je veux au moins ces trois figurines-là. Allez, c'est parti. Hop, Donatello. En commune. Ah bah, j'ai vu, c'est Splinter. Voilà, hop, hop, hop. Qu'est-ce qu'on va avoir? Hop. Oui. Oh, pardon, je suis désolé. Eh ben voilà, la jolie Aprilonil. Ah, c'est cool. C'est cool, c'est cool, c'est cool. Super. Super, 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 super. Ah oui, alors je crois qu'en fait, les vertes, c'est les Unco. Les gris, c'est les rares, c'est ça. Les marrons, c'est les ultras. Et Chase. Ouais, voilà, c'est ça. Je me suis gouré en faire vert, c'était les Unco. Écoutez, super, il manque plus que Shredder. Shredder et Bill Baxter, ça va être dur d'avoir les deux. Ok, Raphaël. Shredder, Shredder, Shredder. Oh, Bill Baxter, enfin Baxter Stockman. Alors, c'est Baxter Stockman, mais c'est pas cette version-là que je voulais. Ça, c'est la version verte en peu commune. Et il y a la version quand il est transformé en homme-mouche. Alors bon, celle-ci, je la garderai peut-être. Mais c'est la version des comics 84. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est plus la version dessin animé de 89. Donc, c'est une Unco. Ok, bon, on verra bien. Hop, le Metalhead qu'on a eu déjà. Hop, un petit Foot Soldier avec son katana. Vous l'avez déjà vu dans la précédente vidéo. Bon, après, de toute façon, comme tous les jeux de ce type, vous avez des communes, des peu communes. Ça revient quand même régulièrement. Et heureusement, quand on achète une boîte, vous avez quand même un large, très large éventail de communes Unco. Voilà, souvent, ce qui manque, c'est les rares et super rares. Donc. Mais au moins... Lizerhead, on l'a eu. Hop, hop, hop. On fait un peu de place. Ça prend de la place, ces petits paquets. Allez, Shredder, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ah, oh, cool! Je l'ai eu à la boîte d'avant. Mais bon, ok, c'est cool. Bah, par contre, c'est une rare, donc ça bouffe le slot d'autres rares que forcément je n'aurais pas. Hop, Renette. Ah, mais non, c'est une rare qui tombe à tous les displays. Je l'avais pas, celle-là. Elle est pas mal, hein, je dis pas. Hein, au niveau de son pouvoir, je crois qu'elle est vraiment super intéressante. Mais je ne la veux pas. Attention, Shredder. Non. Foot Soldier, Chain Kama. Ah, ça sent le Shredder. Ah non, ça sent une grosse figurine.
Ah bah non, c'est juste Michelangelo. Ok. Oh, ça c'est léger, c'est pas Shredder. Malheureusement, c'est pas Shredder. Nobody qu'on a eu. Ok, oh là 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 là, ça sent le roussi. Hein. J'aurais jamais mon Shredder là. Allez, s'il vous plaît, Shredder. Non, mais non, pas Leonardo. Non, 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 je veux un Shredder. Mais non! Le Foot Soldier, Ninchaku. Ah là là, je vais pas à Shredder, je le sens, je suis dégoûté. Foot Soldier, Sai. Je sens que j'aurai pas Shredder. Alpha One, bon c'est sympa, hein, mais... Pff, oh là là, je commence à être dégoûté, il reste combien de... 1, 2, 3, 4, 5, il reste 7 boosters. 7 boosters. 7 boosters. Allez. Oh là là, mais non, mais non, mais c'est pas Shredder ça. Ah, je suis dégoûté si j'ai pas Shredder. Casey Jones. Oh! Bon, écoutez, désolé pour le cri déjà. Ça me ressemble pas d'être aussi hystérique, on va dire. Mais voilà, c'est juste ouf d'ouvrir une autre chase dans, bah, dans un autre display. Donc, bah écoutez, ça fait super plaisir. Une chase à la boîte d'avant, une chase avec celle-ci. Donc même si j'ai pas ce que je voulais, bon, c'est quand même des boîtes qui sont assez rentables, on va dire. Mais bah écoutez, là c'est mort pour Shredder, je l'aurais pas. Hein. Ok, 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 ok. Allez, bah, au moins Bill Baxter en mouche. Non, plus que 3 boosters, ça sent mauvais. Ça sent très, très, très mauvais pour Shredder. Oh, oh bah elle est cassée, c'est quoi ce délire, il manque un bras. Ah bah voilà, bah, ça arrive apparemment dans les Heroclix. Bah celle-ci, il manque un bras. C'est super pas cool parce que c'est une ultra rare. Hein. Manque de bol, bon alors c'est sûr j'aurai pas le Shredder parce que là il peut pas y avoir autant d'ultra rares par boîte et pour le coup en plus il manque un bras donc bah écoutez c'est pas cool du tout. Alors il y a un procédé d'échange sur le site de Whiskey, donc je vais faire la demande pour qu'il m'échange cette petite figurine. Hop. Mais du coup bon là j'ouvre mais c'est mort pour Shredder. Leonardo et dernier booster, le tout dernier, puisqu'après je n'ai plus du tout de d'Heroclix Tortue Ninja en stock. Et voilà. Bon bah pas Shredder. Ok, et ben bon c'est quand même cool. Hein. J'ai eu April, j'ai eu le Racking, j'ai eu le Mauser Swarm, j'ai eu le Baxter en version humaine, mais bon, moi je voulais la version mouche. Donc si je me gourre pas, il me manque Baxter en mouche et Shredder. Mais bon, par contre, j'ai eu deux Chase dans la boîte, donc c'est plutôt cool. Bah, écoutez, je vais mettre toutes ces figurines, en vente à l'unité sur le site. Vous pourrez les retrouver bah, dans les jours... dans les jours à venir, ou peut-être que quand vous regarderez ces vidéos, ça sera déjà fait, je ne sais pas. En tout cas, bah, j'espère que cette ouverture vous a plu. Indiquez-moi dans les commentaires sur Facebook, YouTube, si vous aimeriez en voir d'autres. Alors, pas forcément que Heroclix, pas forcément que Tortue Ninja, mais d'autres séries, des boosters Force of Will, Pokémon, enfin, je sais pas. Indiquez-moi ce que vous voudriez, j'essaierai de les ouvrir. Et puis voilà, merci et puis à la prochaine. Salut !